parce que depuis le début de cette Ligue des Champions, les Brestois sont irréprochables, monstrueux, gigantesques, énormes en ce début de soirée au Rodoro. Les hommes d'Éric Roy affrontent le champion d'Allemagne, le Bayer Leverkusen. Jean Brestois, peuple finistérien, c'est votre moment pour renverser la hiérarchie européenne, pour graver votre nom dans l'histoire, pour écrire une page légendaire dans l'histoire de votre club. Que le Finistère s'inscrive parmi les plus grands, dans la plus prestigieuse, la plus colossale des Coupes d'Europe. C'est la Champions League, mesdames, messieurs! Le stade du Rodoro est en feu ce soir. Allez, on va se pencher sur les compositions des deux équipes et on va commencer par cette cocotée par Éric Roy. Et dans les buts, on trouve le Néerlandais Marco Bizzo. Quatre défenseurs, Massadio Aïdara, Soumaïla Koulibaly, Brendan Chardonnay et Kenny Lala. Trois milieux de terrain, Hugo Magnetti, Edmilson Fernandez, Madi Camara et trois attaquants sur l'aile gauche, Abdallah Sima, sur l'aile droite, Mama Baldé et dans l'axe de l'attaque bretonne, Ludovic Ajorque, le Réunionnais. Du côté de la composition de Xavi Alonso pour le Bayer Leverkusen, on retrouvera dans les buts le Finlandais Lucas Radeski, trois défenseurs axiaux, Piero Hänkkäpiä, Jonathan Tah et Edmond Tapsoba. Piston gauche, Alex Grimaldo. Piston droit, Jérémy Frimpong. Dans l'axe du milieu de terrain allemand, Alex Garcia aux côtés de Granit Xhaka. Demi-offensif, Martin Terrier aux côtés de Florian Wirtz. Et seul en pointe, Victor Boniface. Martin Terrier, l'ancien Rennais. Allez, c'est parti pour cette huitième journée de cette Ligue des Champions 2024-2025 entre le Stade Brestois 29 et le Bayer Leverkusen. La formation d'Éric Roy, un deuxième au classement, c'est exceptionnel, hein, ce qu'il réalise le club breton. Et ça serait un exploit énorme s'il venait à bout de cette équipe allemande ce soir. Parce que du côté des hommes de Xavi Alonso, pour eux, ça sera d'enchaîner une troisième victoire consécutive qui semble être promise aux Allemands. Mais les Bretons ne l'entendent pas de cette oreille. Ils peuvent réaliser l'exploit. Hein. Les hommes d'Éric Roy, attention quand même, hein, cette équipe Martin Terrier, Alex Grimaldo. Il va jouer sur Victor Boniface, le Nigérian. Voilà, très bien pris par le capitaine breton, Brendan Chardonnay. Allez, Mama Baldé. Ali Camara pour Ludovic Ajorque. Mama Baldé, le revoilà, avec Hugo Magnetti. Qui va prolonger à Ludovic Ajorque. Ludovic Ajorque. Ah, dommage, dommage. Il faut s'appliquer, là, Ludovic, sur ses passes. Parce que cette formation allemande... Il ne leur faudra pas 36 occasions. Alex Garcia, l'Espagnol. Martin Terrier, côté gauche, sur Alex Grimaldo. Face à Kenny Lala. Et Kenny Lala, il faut l'arrêter. Il revient sur Alex Garcia, qui remise sur son compatriote. Voilà, voilà, très vite avorté. Par Brendan Chardonnay. Mama Baldé, Hugo Magnetti, qui va prolonger à Ludovic Ajorque. Allez, il est bon ce ballon pour Kenny Lala, faut provoquer la Kenny, il va retrouver Ludovic Ajorque. Ludovic Ajorque qui va redécaler Mama Baldé qui est stoppé par Piero Hänkkäpiä, l'international équatorien. Martin Terrier, Alex Grimaldo. Alex Grimaldo, allez, faut l'arrêter là, Alex Grimaldo, l'Espagnol, allez Kenny Lala. Attention, attention, faut pas le laisser centrer, talonnade sur Victor Boniface qui va décaler, Jérémy Frimpong, le Néerlandais qui est contré, allez, vite repartir en contre du côté des Finistériens, allez, Madi Camara,
Ah, il est passé, Ludovic Ajorque, le Réunionnais, Ludovic Ajorque, face à l'international finlandais, à la frappe, à l'ouverture du score, signé Ludovic Ajorque, qui vient ajuster, fusiller le portier finlandais de cette équipe du Bayer Leverkusen, Lucas Radetzky, est battu, 1-0. Ah super, il s'est battu Ludovic Ajorque qui envoie, il a juste une frappe, ras du poteau, au point de pénalty. Magnifique, cette frappe, plein fer. 1-0. Mais que se passe-t-il? Mais quelle équipe le Stade Brestois, mais quelle équipe cette année en Ligue des Champions. Il déjoue tous les pronostics. Les hommes d'Éric Roy. Attention, là, vite se reconcentrer. Frimpong. Alex Grimaldo pour Victor Boniface, pour l'Espagnol. Voilà, bien repris, très bien repris. Par Koulibaly. Allez, Mama Baldé. Qui vient décaler Madi Camara pour Ludovic Ajorque. Ludovic Ajorque toujours. Ah, il est hors jeu, Madi Camara, dommage. On va revoir ça. Ouais, il est bel et bien hors jeu. De plus d'un mètre. Allez, on a dépassé la première demi-heure de jeu. Et les Brestois pour l'instant qui mènent 1-0. Qui l'eût cru face au champion d'Allemagne en titre, le Bayer Leverkusen. Alex Garcia, Martin Terrier, l'ancien Rennais qui va rejouer sur Alex Grimaldo qui va retrouver Victor Boniface, la frappe du Nigérien mais qui est hors cadre. Ça va. Attention parce que ça commence à se rapprocher du côté des buts de Marco Bizot, lui qui a évolué à l'Ajax d'Amsterdam, l'ennemi du PSV Eindhoven. C'est un peu le Paris Saint-Germain, Marseille, des Pays-Bas, l'Ajax contre le PSV, Florian Wirtz, Martin Terrier. Allez, contrer Martin Terrier, c'est bon. Allez, il faut repartir, s'appliquer. Allez, Abdallah Sima, l'international sénégalais, qui va prolonger à Ludovic Ajorque, qui arrive à se retourner. Ludovic Ajorque qui va décaler Hugo Magnetti. Oh, changement d'aile magnifique d'Hugo Magnetti sur le contrôle poitrine de Mama Baldé, mais il n'a pas pu s'emmener ce ballon face à Alex Grimaldo. Alex Garcia. Chaka, le Suisse. Martin Terrier. Il va décaler Grimaldo. Martin Terrier. Attention, Boniface. Voilà. Il a bien coupé la trajectoire de cette passe là. Le capitaine breton, Brendan Chardonnay. Camara. Mama Baldé, il n'est pas signalé hors jeu, Mama Baldé. Allez, faut provoquer là, Mama. Au premier poteau, sur Ludovic Ajorque. Aïe. Allez, faut faire le pressing là. Ludovic Ajorque. Ah, ils s'en sortent bien là, les Allemands. Florian Wirtz. Jérémy Frimpong, le Néerlandais. Qui va talonner sur Florian Wirtz. Victor Boniface. Chaka. Victor Boniface. Et voilà, c'est sifflé. Par Madame l'arbitre, 1-0 pour le Stade Brestois face au Bayer Leverkusen. Eh bien, les hommes d'Éric Roy sont en route pour un immense exploit pour le moment. Mais il reste une seconde période à jouer. Il va falloir être extrêmement concentré. Allez, on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Allez, on se retrouve pour cette seconde période pour le compte de cette troisième journée de cette Champions League 2024-2025 entre le Stade Brestois et les Allemands du Bayer Leverkusen. Et pour le moment, eh bien, c'est les Français, les Brestois, les Finistériens qui mènent à la marque ici en direct du Roudourou. Aïdara, Abdallah Sima, il est bon ce ballon profondeur. Ludovic Ajorque, ça lui reste un peu dans les pieds ce ballon. Il va pouvoir décaler Abdallah Sima. Là, il faut accélérer Abdallah.
pour Ludovic Ajorque. Ludovic Ajorque, allez, faut frapper, Ludovic. Ah, il a trop tardé, là, à frapper. C'est passé. Ouh, il arrive à frapper. Mais il me semblait pas qu'elle ait été cadrée, cette frappe du Réunionnais. Mais il a préféré assurer le coup. L'international finlandais, Lucas Radeschi. Allez, corner, faut s'appliquer, là, à l'international suisse. Eddie Milson, Fernandez. Ah, au premier poteau, c'est pas assez levé, ce corner. Et attention, ça repart, là, du côté de Jérémy Fripong. Oh, superbe, Hugo Magnetti, qui a mis son corps en opposition. Allez, Ludovic Ajorque. Ludovic Ajorque. Hugo Magnetti. Aïe, 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 aïe. Ah, ça veut pas passer. Ils sont bien en place derrière, là, les hommes de Xavi Alonso. Victor Boniface. Jérémy Fripong, Boniface, le Nigérian qui va retrouver le Néerlandais. Allez, Massadio Aïdara, faut y aller, Boniface. Attention, attention, attention. Attention, là, Jérémy Fripong qui revient en retrait sur Tchaka, le Suisse. Parce que là, ça joue vite. Là, ils commencent à accélérer, les Allemands. Florian Wirtz. Florian Wirtz, attention, il va frapper, là, faut y aller dessus. Florian Wirtz. Ouh là 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 là. Ouh, faut y aller, là, parce que... Les Allemands, là, ils font un peu ce qu'ils veulent aux abords pardon, de la surface de réparation de Marco Bizotte. Allez, Mama Baldé. Mama Baldé qui va talonner sur Kenny, là, là. Sur Eddie Milson Fernandez. Hugo Magnetti. Pour Ludovic Ajorque. Pour l'instant, le héros de ce soir pour les Brestois. Parce que ça serait inespéré. Cette victoire des Finistériens. Attention, attention, parce qu'ils ont l'habitude de marquer hein, en fin de rencontre. Le joueur... Oh, attention. Oh là là, la frappe là de Victor Boniface, le Nigérian. Il est bien capté là par Marco Bizotte. Florian Wirtz, Victor Boniface, Xhaka, Boniface qui revient s'appuyer sur Tchaka. Martin Terrier, voilà, il est bousculé. Martin Terrier. Par Koulibaly, il y a faute là, madame l'arbitre, il n'y a pas faute là. Changement du côté d'Éric Roy. Romain Del Castillo va rentrer à la place de Mama Baldé, le Bissau guinéen. Et du côté des Allemands, c'est le Tchèque qui va rentrer. Patrick Tchik. Kenny Lala. Romain Del Castillo. Allez, Romain Del Castillo, tu peux déborder là. Aïe, 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 il faut s'appliquer, là, Romain, là, c'est pas sans retrait, mal ajusté, pas assez appuyé. Et là, on va rentrer bientôt dans le dernier quart d'heure. Le dernier quart d'heure des Allemands, hein. Patrick Tchik, attention, attention au Tchèque, là, faut pas le laisser frapper, Patrick Tchik. La frappe contrée par Brendan Chardonnay qui se reprend deux fois, qui va écarter de la tête. Mais c'est pas fini pour les Allemands avec Tchaka. Patrick Tchik. Boniface, Patrick Tchik, voilà, il est contré le Tchèque, mais il a pu récupérer ce ballon, attention. Ouh là 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 là, ils nous font peur là, les Brestois. Allez, Madi Camara, faut temporiser là maintenant, faut faire tourner ce ballon. Ludovic Ajorque, Hugo Magnetti, en profondeur pour Ludovic Ajorque, qui va fixer la défense allemande. Ludovic Ajorque essaie de décaler Hugo Magnetti, mais c'était mal ajusté de la part du Réunionnais. Attention, attention, attention. Jérémy Fripong. Jérémy Fripong face à Massadio Aïdara. Florian Wirtz. La tête de Koulibaly. Qui va décaler Aïdara. Attention Aïdara. Il est bien repris là par Victor Boniface. Jérémy Fripong. Dans l'axe. Pour Patrick Tchik qui tente sa chance. Non, ça va. C'est largement à côté du but de Marco Bizotte. Et Pierre Lesminou qui va rentrer à la place de Hugo Magnetti du côté des Bretons. Et du côté des Allemands, c'est Ezequiel Palacios, l'Argentin, qui va remplacer Jérémy Fripong, l'international néerlandais. Allez, 5 petites minutes à tenir pour les Brestois. Eddie Milson Fernandez, Madi Camara, Ludovic Ajorque. Oh, super ballon du Réunionnais là dans la course de Romain Del Castillo. Allez Romain, Romain Del Castillo qui va provoquer la défense allemande, Romain Del Castillo. Dans l'axe pour Pierre Lesminou qui vient de rentrer, mais ça frappe contré. Allez, c'est récupéré par le Suisse. Eddie Milson
Fernandez pour Ludovic Ajor qui essaye de se battre pour récupérer ce ballon. Il reste deux petites minutes à jouer. Ça devient irrespirable là sur la pelouse du Rodourou. Chaka. Ezequiel Palacios. L'Argentin. Pour Alex Garcia, l'Espagnol. Une petite minute dans le traditionnel. Petite touche sur Victor Boniface de la tête qui revient derrière. Ah, c'est terminé! C'est terminé sur cette victoire du Stade Brestois face au Bayer Leverkusen. Mais quel exploit énorme! Oh là là, c'est incroyable! Fantastique! Éléphantesque! Les hommes d'Éric Croix, ce qu'ils sont en train de réaliser, trois matchs, trois victoires dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Champions League. Mais qui arrêtera cette équipe? Ah non, mais c'est fabuleux ce qu'a réalisé les Finistériens. Incroyable, incroyable. Ils comptent 9 points maintenant. Les Bretons, et ils prennent 3 points d'avance sur leur adversaire du jour, le Bayer Leverkusen. Magnifique, magnifique, magnifique. Merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt.